Tu vois, mon père est ma parole. Ma parole, le père vivant. Le père vivant, le seul imam. On vit avec le père et l'imam m'a dit. Ce n'est pas ta descente qui m'intéresse, ta descente. C'est le serviteur qui m'intéresse, le serviteur. Dès que j'ai le serviteur, je monte. Je monte sur l'imam. Je monte, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je m'excuse, mais la paix, en fait, la paix en personne, voilà. C'est une vérité, ça. Ça, c'est ta vérité. Mon peuple n'a pas ma volonté de faire l'imam. De faire l'imam, mais j'avais dit. Je vais dire l'imam. Je vais dire l'imam. Je vais dire l'imam. Là, je t'ai retourné. Je ne sais même pas ce que tu as. Je ne suis même pas là, tu vois, je ne suis même pas là. Tu m'as déjà vu, tu m'as déjà vu. Si tu me fais confiance, tu gagnes le peuple. Si je t'ai rien dit, je t'ai rien dit. Pour lui. Tu t'enterres pas, tu vois, tu t'enterres pas. Tu es bien guidé, je pense, tu es bien guidé. Tu sais, elle m'a dit, il n'est pas juste, hein, il n'est pas juste. J'ai même rêvé que tu le dises tout seul, tu vois, que tu le dises tout seul. J'en perds pas une miette, tu vois, j'en perds, je perds même la miette de pain, tu vois, je perds la miette de pain. À un moment donné, tu m'as remarqué, tu m'as remarqué. J'étais juste la personne que tu n'as pas connue. J'en perds pas une miette, tu vois, j'en perds pas, je perds même la miette. Surtout, te fais pas de différence entre toi et les autres. Surtout, te me fais pas différente des autres. Jusqu'à je te montre qu'est-ce qu'elle aimait dire. Qu'est-ce qu'elle aimait dire? Mais c'est un personnage, je pense, c'est un personnage. Yo, tu vois, tu vais en deux. Quelle est l'âme de Dieu? Je suis en personne. Je suis en personne. La personne m'a répondu que c'est la matière que tu opères. La matière que tu perds, qui est en fait le père. Toi, tu perds la matière, pourquoi? Pour ne pas avoir l'épée. Du Mehdi. Pour ne pas avoir l'imam Muntadhar. Tu n'en perds pas une miséricorde. Tu finis par avoir connaissance que c'est en cause de tout miséricorde. Je te relève, témoin. Mon père qui est vivant éternellement. Je n'ai pas peur de mourir moi-même. Je suis sans descente. Je suis le capable de reprendre la vie. Je la donne et je suis capable de la reprendre. Je m'en fous si tu m'as déjà vu dans ton récit. Je suis un homme, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, tu m'as déjà vu dans ton récit. Sur la Mecque, tu n'en as pas idée. Quelle était ma mère? Tu n'en as pas idée. Une femme dans l'imam. Quelqu'un de personnel. Si tu devines que ta mère n'est pas juste, tu devines qu'en fait, tu as de Dieu qui est fait pour donner le jugement. Tu reprendrais le jugement. Tu reprendrais ce qui compte pour lui. Tu n'enseignes pas tout ce que j'enseigne, tu comprends? Tu enseignes juste ce que tu veux enseigner, toi. Non, on dirait que tu n'as jamais vu le Christ.
On dirait que tu ne te souviens plus. Saint Père le pardonneur. Mais c'est un roi, celui qui juge. Est-ce que c'est juste si je le dis comme ça? C'est un juge, le Père, estimé. C'est un roi, celui qui t'a pardonné. C'est mieux comme ça, comme ça, comme ça. Avec un peu moins d'estime. C'est un juste ici. Le retour du peuple, le retour de la paix, bien qu'on soit en serviteur. La justice pour tous les jours, même quand il n'y a plus de paix, même quand c'est encore le temps de le faire. Le droit, même la jeunesse. Est-ce que tu entends que ce n'est pas libéré? Ta vie n'est pas juste un modèle d'expression. Je forme moi un homme qui n'est pas encore là. Je le forme à être un scientifique. Je n'ai pas tout donné dans ma vie à ceux qui me demandaient « Donne-moi ce que je veux ». J'ai trouvé bon de remettre la cause dans la descente de bien guider. Un serviteur. Non, en personne. En personne, la Palestine. En personne. En vérité, je suis le personnage. Je te déteste si tu me dépersonnages. Si tu veux être le personnage, toi tu peux. Ah bon, oui, je peux. T'es enfermé. On dirait que t'es enfermé. On dirait que t'en pas conclu, mais t'es enfermé. Oui, j'étais en Palestine. Palestine, voilà, on a dit Palestine. Je ne rappelle personne, tu vois, en imam. Je ne rappelle pas l'imam. Hein. Je ne rappelle pas l'imam. Je rappelle juste l'imam, mais je m'en souviens maintenant, tu vois, je m'en souviens. Il y a, on dirait, toi, la vérité, mais c'est trop con, tu vois, c'est trop con. Et je suis là pour te dire, Si la personne a besoin de ton aide, je suis là aussi. La personne de mon père, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux, le père? Je veux le père, l'homme. Je veux le père, je veux personnellement te dire. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ne c'est pas juste. Si t'as ça, c'est pas juste, tu comprends? Je comprends, c'est pas juste, c'est un fils. Un fils, oui. C'est pas juste, tu vois, c'est un épap. C'est un épap. C'est un apep. C'est un apère. C'est un apparent, tu vas dire un apparent. Non, tu vois pas. On dirait un vieux, tout à fait. On dirait un vieux. Oui, j'ai compris. On dirait, bon, oui, je sais, mais je ne suis pas responsable. Vous n'êtes pas responsable, moi aussi. Mais est-ce que c'est une responsabilité? Ce n'est pas vraiment la responsabilité, c'est un autre. Un autre, oui. On dirait qu'il connaissait le père. Oui, je connaissais le père. Ah bon, oui. Où est-il? Il est enfermé. Enfermé. T'en es pas. On n'est pas ce qu'il dit. Et où l'enferme? Dans le rôle, monsieur. On l'enferme dans un rôle. Où vous l'avez enfermé? Dans un état. On l'a enfermé dans un état. C'est faux. Vous l'avez enfermé par un état. Mais où vous l'avez enfermé? Je le dis. Je le dis. Si tu me dis oui, c'est moi. Où tu c'est moi, je te dis. Ils ont parti. Ils ont personne, tu vois. Ils ont personne. Ils sont pas justes, tu vois. Ils sont pas justes. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont seuls qu'ils ne doivent pas être justes. Où est le Père? Où est-il? Il est en personne. En personne. C'est le Monsieur Ryan. Ça, c'est Monsieur Ryan. Ce n'est pas lui. Où est le Père?
Et le Philippe. Et le Philippe, je pense, le père. Philippe, ça c'est moi qui ai donné une porte de secours pour que vous n'ayez pas trop à réfléchir à qui est le père. Ce n'est pas Philippe le vrai. Où est le père? Il est en état. Il est en état. Mais mon père en vie est en état. Où est le père maintenant? Il est en état. Il est en état. Ce n'est pas juste s'il est mon état et que je ne l'ai pas avec moi. Où est le père? Il est en Europe. En Europe, oui, en Europe. Il est dans les têtes. Dans les têtes, voilà. Il est dans les têtes. Oui, c'est bon. J'ai compris. On dirait qu'il ne l'a jamais vu de ta vie, mais la personne ne peut pas le suivre toute sa vie. Elle ne peut pas le suivre toute sa vie, tu vas comprendre. On dirait que le père est enterré. Il est enterré, tu vois. On dirait qu'on doit le faire vivre en plus. Ce n'est pas utile que je vous rappelle que c'est le père. C'est lui, et c'est le vrai père. Ça, on dirait un homme, tu vois, connu. Un homme qui a beaucoup de justice. C'est vraiment une figure de justice. C'est la première figure, on dirait qu'il n'est pas lui. La première figure qui n'est pas la personne là qui vous parle. C'est la première justice. Oui, je me souviens de toi. Tu n'enterrais pas les preuves, mais tu ne mettais pas en avant pour. Pourquoi, tu vois, c'est la première justice, pourquoi? Mais mon œil, tu vois que c'est pas la justice, mon œil. Mon œil, tu vois, mon œil. T'en perds pas une miette. T'en perds pas une miette. Tout à fait. Vous enterrez pas les preuves. T'en perds pas une miette. Ben, je trouve. Chômé, vous n'en perdez pas une miette. Mais je n'ai tandis que dès que je ne dis pas ce que tu dis, je dis que ton neveu, ton neveu, ce n'est pas le père, c'est juste ton neveu. On dirait que tu n'as pas la leçon sur le peuple. Sur le peuple. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce n'est pas la leçon, qu'est-ce qu'il veut faire? La leçon est la même. La maladie, par exemple. La maladie. La personne a une maladie. Est-ce que tu as enterré la personne? J'enterrai pas moi le vrai, la personne. Tu n'enterrais pas la personne. Je savais qu'elle avait une maladie. Bientôt, tu vois qu'on sait la vérité. On se dit la vérité. Si je ne suis pas là, tu vois, tu n'enseignes pas lui-même. Tu répondrais que tu n'as pas la personne là actuellement. Si tu l'as, je l'ai. Bon. Tu vois, la personne, on sert. On servait de quoi, tu vois? On servait d'imam seulement, d'imam, ou non, même pas, tu vois, même pas. Excuse-moi, mais on servait de. Oui, je ne te demande pas, pardon. On servait de père, ouais, de père, voilà. On servait de père. Même au fond, tu ne fais pas la Palestine. En direction, je vais te dire. Je suis juste la personne qui est à Palestine. J'enferme pas les gens, moi. J'enferme pas les gens. Tu devines que ton père a tout dit. Il a tout dit. Non, non, mais tu vois. Tu vois que je suis en père. Je suis en personne. Tu n'enseignes pas toute la vérité. Tu veux dire que j'enseigne un homme. Je veux pas vous faire confiance, seulement vous faire confiance. Je veux vous comprendre, je veux vous comprendre. Mais j'ai rien fait.
J'ai rien fait pour l'imam, j'ai rien fait. Je me dis que vous avez normalement la vérité. Je nie même qu'il n'a pas tout dit. Je ne veux pas. Je ne veux pas que rien fasse les capacités. Sans vous, je n'ai pas été tout seul les capacités. Sans vous, vous faites vos théorèmes, vos tests et pourquoi. L'imam a des capacités, mais vous volez l'imam pour vous. Vous volez, je pense, l'imam pour vous. Je n'ai rien dit, ce n'est pas moi. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Je n'en perds pas une miséricorde. Je donne pas la vérité seulement parce qu'on m'a donné la vérité. Je suis une sorte de compagnon qui n'emporte pas tout. Je serai la personne, tu verras, qui n'emporte pas ce que je n'ai pas voulu remporter. Par exemple, ça m'aura plu si c'était moi, tu vois. Ouais, je te dis, en vérité, ça m'aura plu si c'était moi. Je serais là si je n'ai pas tout rendu. Mais si j'ai accepté qui je suis devenu, je ne sens personne. En Dieu, je ne sens personne. Je suis un homme qui ne sent rien. Je suis en Mehdi. La maison, je suis en Mehdi, le messager. Le messager de l'imam. Je veux te dire, on dirait que tu ne m'as pas vu dans ta vie. Je me souviens plus. Tu obéis, on dirait, à un homme. Te vérité, mais ton père pas la miséricorde. T'enfermes pas l'imam dans un imam. Tu ne paies personne. Ta vérité. C'est vrai. C'est lui, c'est vrai. Tu te réponds. Mais je me paie. Je m'en paie. C'est le Palestinien. Oui, je t'ai rien dit. Ton père a vérité. Ton père a vérité. Mais je veux arrêter, tu vois. Personne elle m'empêche d'avoir l'imam. Je n'enferme pas l'imam. Je veux arrêter, tu vois, je veux arrêter. J'en perds pas l'imam. J'enferme pas les personnes. Je suis juste là et répondez. Je veux dire répondez. Répondez à la maison les personnes qui veulent être sur le droit chemin. Oui, d'accord, mais où est le père? Tu comprends? Où est le père? Où te veux dire? Où t'as mis? Je vous l'ai dit. Je suis maladie, tu vois, la maladie. Un Palestinien reconnaissant, mais je ne fais rien. Je ne fais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le père. Tu veux le père? Oui, d'accord. Où te veux? Où te veux? Je suis en mer, rien. Je suis en mer. En mer, oui. Je me souviens plus, tu vois. Je me souviens plus. Je suis opéré, tu vois. Opéré. Je suis opéré. Je me souviens que j'étais opéré. Je me souviens que j'étais en personne et l'imam. En personne et l'imam. Je me souviens que j'étais Philippe. J'étais Philippe, tu vois. Philippe. J'étais Philippe. J'étais Philippe.
Oui, je me souviens te rappeler l'Estidien, mais sans histoire. Toi, même pas une case. J'étais cassé par les gars. Genre, c'est rien, oui, t'es le fils. Oui. Oh, et le père. Ils n'ont pas rien. Ils n'ont pas rien, je pense. Ils ont. L'homme était le dit. Elle a dit. L'homme était la dit. L'homme est subi. Subitement. L'imam, subitement l'imam. La représentation du père, c'est la représentation de mes hadiths. Je veux pas vous enfermer, j'enferme personne. Ça, croyez-le bien, je n'enferme personne. Je n'ai pas été là longtemps, mais je n'ai. Oui, je l'ai entendu. Je reprends, je reprends tout. Et je n'enferme pas les gens. Libérer la personne, libérer la personne. Libérer. Là, je suis guidé. Libérer l'imam. Libérer l'imam. Le grand Christ, est le grand taux, ton père. Tu te souviens, c'est un prophète, un inspiré. Ton père a rien pour attendre, Philippe. C'est tout de suite, je vais le libérer tout de suite. C'est un homme, c'est ça, qui n'était pas libre. Qui viendra pour le libérer? C'est un imam. Un imam qui viendra. Un imam. Qui viendra pour lui, pour être sur le droit chemin? C'est l'égal qui viendra pour être sur le droit chemin. Qui viendra pour sonner le cor? Pour la victoire, c'est le Messie on dirait un Messie qui n'a rien à foutre, tu comprends? On dirait le Messie qui n'a rien à foutre. On dirait que c'est un prophète qui n'a rien à foutre, tu comprends? Sur la tête entière, je n'ai rien dit sur ta tête. Hein. Sur ma Palestine, je suis le père, hein, dans des histoires. Je suis en vérité, ce que tu veux pas le dire, tu veux pas le dire. Tu veux pas le dire, j'ai vu, tu veux pas le dire. Tu personne, on dirait tu personne. Tu veux. Philippe, tu es réglé, je suis réglé une fois, seulement une fois. Et tu repays pas, hein, tu repays pas. Tu repays pas, le gars, tu le repays pas. Tu arrêtes de repayer, tu arrêtes. Tu t'en fous complètement, tu t'en fous complètement. M'a dit, voilà, c'est bon, il n'est pas enterré. Bon, en fait, ça me gêne un petit peu de savoir qu'il n'est pas enterré. Un petit peu, tu vois, je suis un peu gêné. Normalement, je suis un peu gêné. Où est la personne qui ne m'a pas vu encore? C'est l'égal qui t'a pas vu encore. C'est dingue, tu vois. Bon, tu n'as rien, j'ai compris. Tu n'enfermes pas les gens, tu vois, tu n'enfermes pas les gens. Et si tu n'enfermes pas les gens, la personne va te laisser jeune. Mais si tu enfermes, en fait, elle va vouloir avoir les capacités. Les capacités. Donc, j'enferme pas les gens, voilà, te laisse jeune. Je fais, c'est bon, je fais. Oh, les capacités qu'il a, tu vois, les capacités. C'est dans le représentant actuel, dans le représentant, oui, dans le représentant actuel.
C'est toute la vérité, elle n'est pas questionnée actuellement, elle n'est pas questionnée. Questionnez-la sur le fils de Marie. Oui, c'est vrai. Questionnez-la aussi sur votre fils. Faites même l'allégeance. Ne prêtez pas serment tout seul. Bon, Philippe, tu avais besoin de quoi? D'imam, j'avais besoin d'imam. Pourquoi faire pour l'imam? Je veux le père. Je veux le père, en fait. Oui, tu veux le père, c'est mon père, j'ai compris. Et ce n'est pas libre encore, ce n'est pas libre. C'est pourquoi tu voulais mon père? Pour l'imam. Pour l'imam. Pour l'imam, oui. En fait, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Et ça, tu voulais l'imam aussi. Je voulais le messie. Le messie, tu voulais le tu là, le messie. Je ne vais rien. Je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire sur messie, je ne vais rien dire. Je serai là, je serai là, je ne vais rien dire du tout. Mais rien du tout. Je ne vais rien dire du tout. Même si vous me demandez la lune. Ah, il a, la personne est Dieu en toi, non? Elle est Dieu en toi, on dirait, tu vois. On dirait la personne dans l'Akhira. Dans l'Akhira, quelqu'un. Quelqu'un. Tu veux le savoir d'où le père est venu. Il est venu de personnage, tout simplement de personnage. Parce que Dieu ne te dénonce pas, mais le père n'est pas juste, en fait. La personne, il a besoin d'une compagnie. La personne est très jeune, elle est très jeune. Elle me fait penser à les balles, à les balles, à les balles, à l'imam, à l'imam, voilà. La personne est tellement jeune, on dirait c'est un protecteur. Mais je me souviens plus, je me souviens plus. La personne, moi aussi, c'est la personne en serviteur, en serviteur. C'est une seule personne, tu comprends, c'est une seule personne. La volonté d'Allah est accomplie. Je me souviens plus de la personne, mais je l'ai. Je l'ai, c'est bon, je l'ai. Je l'aurai, tu vois, je l'aurai la Palestine. Je l'aurai mon Palestinien. Je l'aurai ce que j'ai voulu faire en Palestine. Je l'aurai à la fin le père. Je l'aurai le père. Monteur, tu vois, c'est tout énervé. J'ai pas encore dit la paix, j'ai pas encore dit la paix. Te bats pas eux parce que tu vends pas les informations aux histoires. Tu me fais confiance. Il faut pas se suffire à soi-même parce que elles vont t'attraper. Je t'ai fait confiance, rien. Hein. Ouais, elles vont t'attraper comme on dit. Comme un dirigeant, tu vas voir, comme un dirigeant. Elles vont te mettre la main dessus, c'est pas vite fait. Hein. C'est tous les jours, t'amènes du temps, hein. T'amènes du temps. Et tu as Palestinien avec toi. Hein. Mais quel instrument tu vas donner? Tu vas donner l'instrument du peuple.
Je suis d'accord si c'est moi, alors le dirigeant. Pas si c'est moi, juste la personne de l'instrument. Mais je n'ai pas tout dit sur le corps. Est-ce que c'est juste que vous soyez encore les mêmes messieurs? Je n'ai pas été moi, messie, vous pensez? Je suis juste la bonne conscience. Avec vous, hein, je ne fais pas trop d'humains. Trop. Je peux vous dire. Je peux vous le dire, mais je peux vous comprendre. Je suis juste les damnés. Voilà, rien, c'est bon. Tel rien. Allez, je vais peut-être les arrêter tous d'un seul coup. Tous, je vais les arrêter d'un seul coup. Juste pour les avoir une fois. Parce que je ne les ai pas eus encore. Je ne les ai pas eus en personne. Les arrêter tous d'un seul coup parce que j'ai l'impression qu'ils avaient en plus le père. Hein. Ils avaient le père quelque part. Ou c'est trop rêvé, tu vois, c'est trop rêvé de père peut-être. Trop rêvé de père avec eux. Trop rêvé de père avec eux. C'est encore un rêve hein, que vous ne soyez pas. Les imams, là, les imams inspirés, les imams avertis, tout ça. En fait, et normalement, ils n'ont même pas besoin d'être imams. Ils appellent l'imam et l'imam répond. Mais ce n'est pas juste, alors, j'ai été dit sur mon personnage, c'est un père, en fait, qui n'a pas l'histoire, qui n'est pas l'histoire, qui a enfermé l'autre. Tu l'as enfermé pourquoi? Je n'ai rien dit, tu vois. Tu l'as enfermé pourquoi? Oui, je n'emporte pas les compagnons. Oui, tu n'emportes pas les compagnons. En fait, si tu ne portes pas les compagnons, tu es même enfermé toi-même en faisant l'imam dans l'ignorance, tu comprends? Dans l'ignorance que l'imam est lui-même un des compagnons. Tu devines à la fin que les compagnons te savent en même temps. Enfermer quelqu'un de la compagnie. Tu comprends qu'après, c'est difficile ta vérité. Tu n'as pas de vérité après. Donc, relâche la personne. Je l'ai relâché, mais. Attends, c'est pas moi. Voilà, je l'ai relâché, mais la personne est consciente, en fait, qu'elle est relâchée, c'est bon. Et la personne ne va pas revenir. Elle va, si, elle peut revenir. Je suis l'imam. D'accord. J'autorise à rentrer et j'autorise à sortir. Voilà. Mais je n'enferme personne. Mais j'ai compris. Là, j'ai. Tu n'étais pas libre en fait, je n'étais pas libre. Fait, j'étais en personne, tu vois, de le père. Dans le père, voilà, j'étais en personne dans le père. Attends, tu verras. Ton père, ton père, voilà, ton père, mon père. Voilà, ton vérité, Ryan, je suis en vérité. La parole, tu vois, elle est venue, non? Oui, la parole est venue, c'est vrai. Oh, je suis Ryan. T'opérer, rien. T'opérer par un corps. Tu opérais par un corps. La parole est venue, il te dit. La parole est en personne. La parole est en. La parole est ta personne. Ah bon, oui, la parole est ma personne, j'ai compris. Où je suis? Où tu es? Ah, tu ne sais pas où tu es? Déjà, rien du tout. Je retourne, je pense. Tu retournes. Où tu es? Je suis au VIP. J'ai besoin de VIP. La VIP, j'ai besoin de VIP. J'ai besoin de VIP. J'étais en personne, j'ai besoin de VIP. De VIP, oui. De VIP et. C'est toi, non? Oui, c'est moi. J'ai besoin de VIP et j'ai besoin d'un PRM. T'es pas rien. Ben, là, je suis aussi la personne. Ah bon, oui. J'ai besoin de VIP, j'ai besoin de la merde. Ta merde, en fait, c'était pas moi, hein, c'était l'imam. J'ai besoin d'un mythe. J'ai besoin d'un maître. Ah, tu vois, il a besoin d'un maître. Non, 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 attends. Il a besoin d'un maître. J'ai besoin d'un. En fait, tu vas le dire. Rien. Tu as besoin d'un. C'est toi qui as besoin de le dire. Pas moi. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, mais combien de temps j'ai besoin de toi? Tu as besoin de moi le temps de le dire. Ah bon, oui. Voleur, voleur, tu vois. Et après, tu as besoin de moi encore. Ah, mais j'ai rien dit. Là, j'ai rien dit, je vais rien dire. Je vais rien dire. Je perds pas une miette, j'en perds pas une miette. Moi, j'en perds pas une miséricorde, j'en perds pas une miséricorde. Eh bien, voleur, voleur, si tu n'en perds pas une miette.
Voilà, tu n'en perds pas une miette. Un voleur, si tu n'en perds pas la miséricorde. Tu en perds la miséricorde, alors, si tu n'en perds jamais une miette. Et voleur, voleur, tu vois, voleur. Eh ben, je te dis avide. Avide, si tu n'as pas plus de sagesse, avide. Le te taire. Tu vas te taire si tu n'as pas les mains. Tu vas te taire. Bon, le Christ te dit où il est, et la paix te dit où il est par promesse, te dit où il est dans la prophétisation du temps. Il est dans rien. Dans rien, oui. Et l'empire sont dans le quai, de le capable. Oui, mais on ne sait pas où il est. En dehors de ma personne, alors, ou de ta personne, on ne sait pas où il est. Tu comprends le Christ? On ne sait pas où il est. Christ, Christ, oui. Il est dans où? Il n'est dans personne. Il n'est dans personne. Tu arrêtes de m'envier. Tu me dis, il est où? Il est en direction. En direction, oui. Même pas, tu vois, même pas. Même pas. Arrête, tu vas pas m'agacer, Ryan. Oui, tu faisais un autre fils, tu vois. Tu faisais encore peut-être un autre père. Il est où, là, Hakim? Il est dans les pères. Il est dans les pères. Même pas, tu vois, même pas. Mon repère, tu vois, ton repère, oui. C'est l'imam. Mon repère, c'est l'imam. Oui, je suis ton repère, d'accord. Dès que tu as mes... Tu es aussi imam. Je suis aussi imam, tu es sûr, rien. Je suis sûr. Dès que j'ai l'imam, je suis le repère. Tu es le repère. En fait, je vais tout faire. Tu comprends? Je comprends. Là, actuellement, je suis enfermé. Là, tu es enfermé, oui. Dès que je récupère, tu comprends? Oui, dès que tu récupères. Je saurai la vérité, tu comprends? Tu sauras la vérité. Là, tu me dis pourquoi. Là, je te dis pourquoi. Ils disent qu'ils savent vous tuer. Ah bon, oui, ils disent qu'ils savent vous tuer. Ah bon, elles disent ça. Ouais, elles disent qu'ils savent où je suis. Oui, et elles veulent pas le dire, c'est ça? Oui, j'ai personne, moi, j'ai personne.
Et en fait, toi, en tant qu'il savent où il est enfermé. Et je pensais que tu avais la vérité, Ryan, s'ils m'ont récupéré, tu comprends? Je comprends. Et qu'ils m'ont mis quelque part, oui. Je pensais que tu avais la vérité. Ils ont dû mettre la personne, en fait, dans un... Ils ont dû vous mettre dans un... Non, c'est à lui que je parle, oui. Ils ont dû vous mettre quelque part. Ce n'est pas juste, je sais, ce n'est pas juste. Il faut qu'on sache où c'est, il faut qu'on sache où c'est. La personne, vous pouvez me répondre, oui, elle est où, la personne? En fait, ça, la personne l'a dit. Elle l'a dit, oui. Elle est dans une pièce. Dans une pièce! Ah d'accord, elle est dans une pièce. Où est la personne? Non, c'est vrai, mais... c'est juste une pièce. C'est juste une pièce. Oh, bordel. Oh, le bordel. Le bordel. La personne est juste dans une pièce. Elle se souvient plus, parfois, elle se souvient plus. J'ai compris. Elle est juste dans une pièce. Donc, la personne, j'ai compris, est juste dans une pièce. Elle se souvient plus. Elle se souvient plus. Ils l'ont récupéré, je pense qu'ils l'ont récupéré. Ça serait ça, qu'ils l'ont récupéré. Qu'ils ont récupéré la personne. À un moment donné, ils l'ont récupéré. La personne m'a demandé de me souvenir de l'histoire. Où elle était aussi en Palestine à un moment donné. Et que les Juifs l'avaient vue. Voilà, les Juifs l'avaient vue. Et après, oui, j'ai compris. Les Juifs sont tombés dessus, en fait. Oui. Ils sont tombés dessus et. Et ils ont récupéré la personne, j'ai compris. Et après, je pense qu'ils l'ont enfermé après, d'accord. Donc c'est les Juifs qui sont les responsables. C'est les Juifs qui sont les responsables de l'avoir enfermé. Le prophète, Ryan, oui, te dit que la personne, si elle est enfermée par les Juifs, tu comprends, oui, elle est actuellement où la personne, tu comprends? Elle est détenue quelque part, en fait, par les Juifs. Et la personne s'en souvient ou pas? Est-ce qu'elle s'en souvient? Elle était détenue par des juifs. Oui, la vérité, on ne perd pas une miette, j'en perds pas une miette. Attends, c'est qui ça? Est-ce que c'est elle ou c'est quelqu'un qui reconnaît? Ce n'est pas une personne qui reconnaît, c'est une personne qui ne veut pas le dire, tu comprends? Elle ne veut pas le dire. On ne s'arrête pas là. Où est la personne alors? La personne, on sait où elle est. Elle est dans une pièce, j'ai compris. Elle a été enfermée par des juifs, j'ai compris. Non, elle est en fait la personne. Je vais dire où elle est. Elle est sans personne là, sans personne. Voilà. Elle est dans un tort, dans un tort. Ah non, elle n'est pas dans un tort d'après nous. Elle s'est plainte la personne qu'on l'a enfermée. Elle n'était pas dans le tort. Attends, attends, j'ai confondu la personne. Ah, vous avez confondu. Oui, j'ai confondu la personne. Vous parlez du père en fait qui est enfermé actuellement. Oui. Ah non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, non. Mais pourtant, on avait le témoignage de lui que c'était la vérité qu'il était enfermé dans une pièce par des juifs. Quoi? Enfermé dans une pièce par des juifs? La personne du père? Enfermé dans une pièce par des juifs? Juste une pièce toute la journée. Quoi? Ah, j'ai compris, c'est pas ce qu'on croit. Non, en fait, elle était peut-être là de nouveau, mais ils ont peut-être pu la récupérer. Ah bon, la récupérer en Palestine? Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est la personne, elle était plus consciente. Ah bon? Quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi à ton père? Ils ont fait quoi à ton père? En fait, ils ont dû suivre tout ce qui s'est passé avec moi, elle m'a dit. Et dès que la personne est réapparue, peut-être, ils sont tombés sur les lieux de la réapparition et ils l'ont récupéré pour l'enfermer. Non, mais c'est pas vrai. Non, ça, c'est... Non, c'est trop. Ça, c'est trop. Ces juifs, c'est trop. La personne fait des attentats, on va voir ce qu'elle fait. C'est tous les jours qu'elle me fait des attentats. J'attends de savoir c'est quoi maintenant. C'est un état monté contre toi. Un état monté contre moi, ah bon. C'est tout l'état qui est monté contre toi, ah bon. C'est pour avoir ta connaissance. Ah ben bâtard! Bâtard, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? La suite, c'est un attentat en effet. C'est pour jeûner aussi, c'est pour jeûner. On veut jeûner. Vous voulez jeûner? Oui, c'est pour jeûner. On n'est pas vrai là, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. On fait pas l'attentat s'il n'y a pas d'imam. On fait pas l'attentat s'il n'y a pas d'imam.
On fait l'attentat si seulement c'est Messi. Si seulement c'est Messi. Mon père est en vie, mon père est en vie. Oui, ton père est en vie. Il est actuellement dans les Palestines. Dans les Palestines. Il n'a pas normalement été jeune. Non. Il n'a pas été jeune. Il a été quelqu'un, il a été quelqu'un. Même si on ne l'a pas vu, il a été quelqu'un. Même si personne n'a rien dit sur lui, tu comprends, personne n'a rien dit sur lui. À un moment donné, ils ne vont pas le faire. Le corps, tu comprends, la personne, ils ne vont pas le faire. Dès que cet événement il arrive, tu n'en perds pas une miette, tu comprends, tu n'en perds pas une miette. Tu fais l'imam m'a dit tous les jours, même tous les jours. Même si tu n'es pas vrai, tu comprends, tu le fais. Oui, père, je le fais. Tu n'enfermes pas la personne, rien, parce que j'en ai besoin, tu comprends. Tu en as besoin, mais j'en ai besoin. D'accord. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. Je t'en dirai des nouvelles, bien. Tu te souviens que cette personne, j'en ai besoin. Oui, je me souviens. Même si cette personne n'est pas juste, tu comprends, j'en ai besoin. Oui, j'ai compris. Même tu diras que la personne n'est pas conne, tu vois, elle n'est pas conne, tout ça. Bon. Tu fais comme si la personne ne t'avait rien fait, tu comprends? Comme ça, on avance, en fait, on avance. Tu réponds pas de ton père, tu réponds de la personne, tu comprends? Je comprends. Tu réponds de la personne. Tu n'en perds pas une miette, tu n'en perds pas une miette. Oui, je ne perds pas une miette alors. Tu t'en souviens pas, hein, tu t'en souviens pas. Tu t'en souviens maintenant, mais c'est trop tard, tu comprends, c'est trop tard. C'est trop tard pour les pères. Le père. Le père. Le père va opérer. Le père opéré, je pense. Ah bon, non, non. Le père opéré qui? Le père opéré, c'était un père opéré. Ah bon, oui. Il était un père opéré. Il était opéré de quoi? On ne sait même pas de quoi il était opéré. Ils n'ont pas voulu le dire. Ah bon, oui. Est-ce que ce n'était pas mon père? Ce n'est pas vraiment ton père. C'est une personne qui ne voulait pas le dire, tu comprends? Je pense que tu as toute la vérité. À la fin des temps, tu as toute la vérité. Même si tu n'as pas eu exactement le corps de la personne, tu as eu la vérité. Même si on ne t'a rien dit du tout, tu comprends? On ne t'a rien dit du tout. Sur la personne, je ne vais pas te dire. Sur la personne du prophète. C'est juste le saint. Le saint, le saint, voilà. Elle ne doit pas être attribuée, cette personne, à une autre qu'à le prophète. Et en fait, la personne n'est même pas attribuée, tu comprends? Elle n'est même pas attribuée, tu vas comprendre. Elle est la prophétie, j'ai compris. Attends, on est cuit, là tu m'as cuit. Je peux plus le refaire, la personne n'est même pas inspirée, tu comprends? Elle est directement la légitime défense, par exemple, j'ai compris. Elle n'est pas inspirée comme tu le penses, elle est la légitime défense directement. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Elle n'est même pas ton corps, elle est la légitime défense directement, tu comprends? Oui, voilà.
against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen, and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, as Israel fights the forces of barbarism led by Iran. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on this. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. And their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. C'est le même discours que moi. Ouais. Donc, voilà, bien la sécurité de la paix dans le monde entier. C'est pas vrai, c'est copié sur l'Amérique à la fin. Et en fait, ça, c'est un ennemi national. Voilà, Netanyahu, c'est un ennemi national. Et là, j'ai rien d'autre à dire. La France ne donne rien. Tu ne veux pas te suffire seulement. Tu veux conquérir. Tu ne veux pas rester assis sur des pieds de paix, des pieds de biche. Tu veux en effet monter sur les grandes de jeunesse, pour avoir ensuite la quantité dans la capitale de la descente sur nous, des nouvelles ors de danse, de la nouvelle estime du pays. Tu pensais la tête comme tu pensais le responsable des comptes. Tu voulais avoir la réponse que tu voulais jeter tous les jours où tu n'avais plus de retour, mais où tu avais encore de l'Ibad. Tu ressors de ta vérité, tu ressors enfin de ce que tu veux accomplir. Où en est la connaissance qui t'a fait sage dans l'idée d'entreprendre le pays? Tu te souviens que ce n'est pas juste ce que j'ai responsablement guidé. C'est en fait une fois que c'est fait le travail, que tout est descendu. Et une fois que c'est fait, tu danses sur la lumière. Tu devines que tu as le nour. Tu deviens la nouvelle quantité du réel, de la réalité. Mais quel est le parti que tu as choisi? Tu n'as pas chanté de nom sans histoire. Tu n'étais pas sans amitié le parti de la paix. Tu voulais l'imam pour la maison et la communauté. C'est l'accomplissement de la première élection qui nous a donné la faveur de donner plus de réponses à l'air du temps qui faisait ramener notre pays dans le droit de son islam. Mais cet islam, à quelle partie nous le devons? Nous devons en effet répondre que l'islam est une conséquence aussi de la majorité. On arrête. Notre conséquence sur la majorité dans le monde, c'est d'avoir la maison et aussi le parti, quoi qu'il en coûte, notre inspiration. C'est en effet voir le changement dans tout le temps qui est promis. Et ça, c'est une réalité pour tous ceux qui veulent faire encore. L'imam m'a dit, comme étant leur représentant, dans ce temps où nous avons plus d'intelligence pour résoudre les problèmes qui viennent à nous avec la plus grande adoration et dans le domaine de la finance, avec les peuples qui rejoignent le bout de l'histoire. Nous formons une histoire sur laquelle nous sommes dans une quantité
de pouvoir où nous voulons avoir aussi la réalité, où nous cherchons le bien d'autrui. Quelle est notre part où nous sommes libres et nous ne sommes pas conditionnés par les autres peuples? Nous qui avons formé la première récompense pour la majorité dans ce qui nous fondait dans le premier pays à vouloir notre prochaine réussite dans le monde musulman. Je n'ai pas été le Messie, j'étais la bonne inspiration du jour de la liberté. Je pense avoir mis tout le monde d'accord, sans qu'il n'y ait de quiproquo sur la nature qui fonde la religion. La religion n'est pas juste une vertu, elle est aussi un exemple dans ce qui fonde notre pays, et donc la nation, au temps où nous avons aussi eu notre chance, et ce que nous avons donné notre représentation à ceux qui ne sont pas encore libres, et ben nous avons donné quand même une raison de faire suivre notre première cause à la dernière communauté qui répondra par la dernière volonté de sonner le temps de la justice. Et voilà, rien. Je voulais me fonder dans une vraie nation, dans lesquels il y ait encore le pilier de verset qui fonde toujours notre obligation à nous faire connaître parmi le peuple et dans l'enceinte de la dernière communauté pour avoir notre justice. Mais à quel monde nous appartenons quand nous ne faisons plus un seul choix, mais que nous revenons à tout l'ensemble de la loi? La loi qui doit être aussi l'existence du choix. Et nous revenons aussi à la pensée que nous avons creusé l'écart entre le Dobed où nous étions sur la libération et le dernier jour où nous venons ressusciter. Ressusciter d'entre les morts pour avoir en fait la réussite et le degré enfin de la vie, la dernière connaissance du livre, la prochaine étape de notre histoire. Vous convenez que la majorité ne doit pas rester seule, mais qu'elle doit être tout le temps en cause pour ramener au pays le bon savoir de croire en libre musulman, la vérité, une fois que le monde a été libéré par la justice. Nous finirons par avoir ces connaissances dans un monde promis, même si auparavant il n'y avait plus d'espoir dans le monde inférieur à notre foi. Le peuple n'a pas tout dit sur la première estime du royaume. C'est le corps qui a réussi la venue qui répondra à l'appel de tous ceux qui sont maintenant dans le dernier jour. La protection et la bénédiction sur le Mahdi. Vous comprenez que nous sommes enfermés pour l'instant dans une seule réalité. Savoir quel est notre avenir, quel est notre futur. Est-ce que c'est suffisant pour vous faire comprendre que ce n'est pas juste si l'on vous raconte à l'avance ce que vous n'avez pas encore réussi? C'est en faisant votre choix que viendra ce qui vous est promis.
Quand le soleil se lève, vous désirez avoir les connaissances, et quand il se couche, vous répondez au Tout-Puissant par une invocation pour ne pas laisser la foi perdre la nouvelle vérité du prophète. Vous connaissez que la vérité du prophète est un peu connue. Elle est un peu celle que tout le monde veut faire. Mais t'es à mes rêves, j'ai rien dit tout seul. Ils m'ont pas honoré. J'ai rien fait dans ma vie, vous pensez, de bien guider. Je donnerai la foi à la génération. Mais bien sûr, le Père Amni, Alhamdoulillah, qui m'a fait confiance jusqu'au bout, qui a eu raison. Sur le raison, c'est leur réponse que je donne. Sur la résurrection, oui, c'est un homme qui a ressuscité dans le prophète. Ressuscité, pour vous citer, dans sa pensée, oui, dans sa pensée, dans sa réalité aussi, dans sa réalité. Mais à quel prix, à quel prix, à quel prix nous devenons encore l'imam, à quel prix? C'est pour nous donner peut-être la foi qu'il existe dans ce monde, encore l'espoir. Non, 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 je n'ai rien dit de tel. C'est un faux pour l'instant. Conséquence, il n'y a pas de vérité après la Palestine. La Palestine qui doit être cette envie de créer le nouveau choix pour la police. Par exemple, ce n'est pas arrêter les autres tous les jours. C'est leur donner la solution pour les sauver. Et ça, ce n'est pas juste s'ils ne l'ont pas fait. La condition qu'il y a pour ne pas choisir de participer à l'imam, c'est de ne pas faire la première direction, mais de faire peut-être l'éloge de quelque chose qui n'est pas juste encore et qui pourra le devenir. C'est tout, c'est tout. C'est dans cette direction que nous nous sommes dirigés. Nous n'étions pas tous attendus. Nous avons répondu que nous n'étions pas tous conçus, mais que nous avions créé quelque chose. Bien entendu, ceux qui n'ont rien fait encore viendront à nous jusqu'à ce qu'il arrive une dernière fois. La réponse est notre solution pour la promesse. Mais nous ne sommes pas juste alors avec ceux qui n'ont rien fait du tout et qui ne veulent toujours rien dire et rien donner concernant la dernière humanité. Et là, je me souviens de la police, en effet, n'avait rien dit parce que c'était une quantité en fait de solutions en fait, qui n'était pas libérée. Voilà, elle n'était pas libérée, la solution. La solution, en fait, c'était une quantité de solutions. Mais bientôt, on va libérer la solution. Même de votre attitude. C'est juste la pensée qui m'a donné l'envie de te revoir, de voir, de te revoir, de te conscience. Je veux dire que tu as aujourd'hui une dernière raison, on va dire raison, de la pensée en raison aussi. L'idée n'est pas juste du tout sur les Palestiniens, c'est pas juste du tout. C'est une fausse information dans le comportement. Voilà. Et bientôt, c'est en fait gênant de ne pas avoir la même réalité, la même réalité. Bientôt, vous devenez la nouvelle imam, la nouvelle imam qui a du cœur, qui a du cœur. Vous sentez que vous êtes aussi quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Finalement, vous êtes ancien, rien que ça m'a donné la voie de venir de la maison, vous redevenez la maison. Prochainement, vous serez à la maison, vous serez à la maison. Et là, c'était une parole aussi pour un... Mais est-ce qu'il y en a entendu? C'est bon. C'est bandé si vous n'avez jamais fait l'imam. C'est bandé. C'est le voleur. Ça, c'est le voleur. C'est bien dit concernant Mehdi. C'est bien dit. Votre histoire n'est pas seulement Mehdi. Elle est aussi Alhamdoulillah Ani, qui n'est pas jeune. Qui n'est pas jeune aujourd'hui. Qui n'est pas jeune. Il faut rien oublier. Tu comprends? Il faut rien oublier. Voilà. Même la plus petite chose, il ne faut pas l'oublier. La plus petite chose. Même le plus petit détail, tu vois, le plus petit détail.
Abdullah, c'est moi, je suis sorti d'affaire. Même si personne ne m'a vu le faire, je suis au moins sorti d'affaire. J'étais sorti d'affaire, là, tu comprends, je comprends. Même si personne ne m'a vu le faire. Personne m'a vu le faire. Mais bientôt, on va me voir. Bientôt, on va te voir. Voilà, tout à fait. Là, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré que tu me le dises. Oui, je te le dis. C'est bon. C'est bon. Je n'endors personne, tu comprends. Je n'endors personne. Je suis actuellement en personne. En personne, dans les mains. En personne, dans les mains, oui. En personne, dans les mains. En percée, oui. En percée, tout à fait. Je suis en percée, je suis enfermé. Je suis enfermé, même. Elle n'a pas donné le nez, c'est vrai, mais enfermé dans la Palestine. Enfermé dans la Palestine. Je pense, tu vois, tu n'es pas enfermé. Que tu penses? Oui, je pense que tu ne dois pas être enfermé. Je comprends. Je pense que tu ne dois pas être enfermé. Je pense que tu dois être libre. Oui, ouais, tu dois être libre. Je pense que tu étais toujours libre quand je t'ai connu. Tu n'avais aucune raison pour t'enfermer. Et je pense pourquoi ça serait différent, tu comprends, aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas différent, je pense que tu... Non, tu n'es pas Annie, peut-être. Peut-être tu n'es pas Annie, peut-être ce n'est pas toi. Peut-être ce n'est pas toi, peut-être c'est une autre personne qui se pensait, tu vois, qui se pensait. Je pense qu'il y a peut-être une erreur, là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur.